L'objectif, c'est donner notre point de vue suite au communiqué 060 du gouvernement. Portant le report des dates des élections, de l'élection présidentielle. On soutient ce communiqué et parce que nous avons participé aux travaux préliminaires. À chaque fois qu'il y a, il y a des invitations qui nous arrivent, nous prenons part. Moi, je pense qu'il y a la politique saine qu'il faut faire dans ce pays et non une politique d'imposition ou une politique, je ne sais pas comment qualifier. Du moment où les 281 partis politiques ont été saisis, seulement 81 partis politiques ont donné des propositions. Alors, maintenant, il faudra accuser qui? C'est ça. Et lorsqu'il y aura maintenant des données sur le report, nous voyons d'autres, les absents qui sortent pour dire que non, il n'y aura pas de report. Mais bien sûr, mais le ministre dit ceci, le communiqué dit ceci. Le ministre de l'administration territoriale a saisi les 281 partis politiques. Heureusement, il y a un parti politique qui faisait un débat là. Il a confirmé qu'ils ont été saisis, mais ils n'ont pas pris part. C'est ça l'honnêteté. Donc, lorsque on veut venir maintenant nous dire que non, il faut relancer encore une transition civile, qui seront ces civils? Tellement c'est ça, il faut refuser d'abord c'est la proposition. Parce qu'ils ont fait la politique, de la chaise vide. Et pour rattraper maintenant, à partir de leur proposition qui est la transition civile. Transition civile, c'est qui? C'est vous? C'est moi? À quel moment nous allons tomber d'accord que non, c'est X et Y? Non. Donc, or, il y a une proposition qui a été faite de sortir. Et vous voulez maintenant renouveler. Soyons quand même intelligents. Vous le créez. Soudou Baba Info, revue de la semaine. Revue de la semaine. Doudou Baba.